Good morgen, allez Iden, les Suisses aujourd'hui, les Lunishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Rivka Batlevi, Yitzhak et Dov ben Yehudit, si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel et nous étudions aujourd'hui Maserhet Kinim Per Gimel, Mishnah Gimel. Chatat Lazo, Veola Lazo. Asa Kulan Lemaala, Mertsa Kacher ou Mertsa Pasoul. Kulan Lemaatan, Mertsa Kacher ou Mertsa Pasoul. Chetsiyan Lemaalan, Vechetsiyan Lemaatan. On conclut dans cette Mishnah le principe de la Mishnah Aleph et Bet avec un nouveau cas de figure bien plus évident que tout. On parle depuis le début du Perek Shlishi d'un Kohen qui, de sa propre initiative, va trancher les mélanges à sa manière. Jusqu'à maintenant, on a eu des règles bien claires. Comment faire pour sauver le maximum d'oiseaux lorsque tu as des mélanges de paires d'oiseaux? De Rachel et de Léa qui se mélangent, combien sauver au mieux? Si c'était indéfini, si c'était défini, on a eu toutes sortes de règles de généralité qui nous ont appris comment sauver le maximum. Depuis le troisième Pérec, on parle d'un Cohen qui décide, bon, ça s'est mélangé, je vais tout faire Ola, ou je vais tout faire Khatat, ou je vais couper ça en deux, faire la moitié Khatat, la moitié Ola. Dans la Pérec, Mishnayot, Aleph et Bet, on a parlé qu'on avait des mélanges de paires indéfinies, et à présent, dans la Mishnah Gimel, on va parler qu'il avait des oiseaux définis. En l'occurrence, Khatat les eaux, Veola les eaux. Rachel a porté ses Khatat, et Léa a porté ses Ola. D'accord? Une, ou même deux, ou même dix, peu importe. D'accord? C'est le même principe. Asakula n'est malade, mais non, ça s'est mélangé. Vous vous rappelez de la règle? Si c'est défini, ça se mélange, tu ne peux plus le faire, parce que tu ne peux pas prendre un oiseau et aller le faire en haut, parce que peut-être qu'en ce moment, tu es en train de faire le khatat, et le khatat, tu l'as fait en haut, tu l'as rendu invalide, tu l'invalides. Tu ne peux pas aller les faire en bas, parce que là-haut, là, tu ne peux pas la faire en bas. De ce fait, il fallait les laisser mourir et apporter des autres oiseaux à la place. Lui, Cohen, lui, il a dit, bon, allez, je fais tout en haut. Asakulan le ma'alan, il a tout fait en haut. Eh bien, mertsa kacher ou mertsa pasoul, la moitié sera kacher, la moitié sera invalidée, c'est-à-dire... Si c'était un chiffre égal, le nombre de holot, en fait, c'est pas la peine de dire la moitié, le principe est très général. Le nombre de holot qu'il devait apporter, eh ben, c'est sûr qu'il les a faites en haut, donc il s'est acquitté. Il a quitté les holot, il a invalidé les khatat, en tout cas il a fait les holot. S'il y avait 5 holas en tout dans le mélange, eh ben, il les a toutes faites, elles sont toutes devenues kachères. La phrase de Mertsa Kacher Mertsa Pasoul, elle n'est pas extra, mais c'est le principe. On se rapporte qu'il y avait moitié en fait. D'accord? Kulan lemata, maintenant, non, il a dit qu'il a tout fait, il va tout faire en bas. Bon, ben, mertsa kacher, mertsa pasoul, le même principe. La moitié, elle sera kacher, l'autre moitié, elle sera invalidée, c'est-à-dire le nombre de khatat qu'il y avait, puisque c'était des chiffres égaux, le nombre de khatat et de hola, et ben, le nombre de khatat qu'il y avait dans le mélange, elles seront validées, donc ça fait la moitié. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui? Non, il a fait mieux que ça. Chetsian lemalan, vechetsian lemata, il a dit non, il y a des khatat et il y a des hola, je vais pas tout faire en haut, je vais pas tout faire en bas, je coupe en deux. Comme ça, il y a la moitié qui va devenir khatat, avec l'aide du ciel, Bessiata d'Ishmaïa. Il a fait de l'argent à la coupe à Taïr, et puis comme ça, il espère qu'il a bien fait le tirage. Donc, Chetsian le Malan, Chetsian le Matan. Il a fait la moitié en haut, la moitié en bas. Sur ça, on va lui dire, bon, laisse tomber les goulottes, parce que peut-être que tu as planté, mais totalement. Tu te rends compte que peut-être que tu as pris toutes les khatat et tu les as faites en haut, toutes les holot, tu les as faites en bas. De ce fait, tu as tout invalidé. Ch'tehen pasoul, les deux ont été invalidés, pourquoi? Chani Omer, car je vais dire, Khatat kreva le malan, les khataot, et khatat qu'il devait faire, et ben, il s'avère qu'il les a peut-être fait en haut du misbéach. Veola le matan, et les hola, il les a faites en bas, et de ce fait, peut-être que tu as rien fait, dans le doute, ils devront toutes apporter des korbanot. De nouveau à la place, tout recommencer depuis le début, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol tov, salam.